Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue les amis pour vivre eh bien, ce sixième numéro dont refait le CFR, l'émission vous le savez qui débriefe les épreuves du championnat de France des rallyes. On en a pris l'habitude depuis le début de la saison et on vous remercie à nouveau pour la fidélité, pour ces rendez-vous, mais aussi tout au long eh bien, justement des épreuves du championnat. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très 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 plaisir. Ce soir bien sûr on va débriefer du 74e rallye Mont Blanc-Morzine qui s'est déroulé le week-end dernier. C'était justement le sixième rendez-vous de la saison. Et pour en parler, eh bien, on va accueillir déjà celle qui est la présidente du comité d'organisation pardon, de ce rallye, c'est Isabelle Garraud. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à tous. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On va en parler dans quelques instants, bien sûr, de ce rallye qui a été véritablement un grand succès. Et puis justement, en parlant de succès, on va accueillir ceux qui se sont offert leur premier podium en carrière en championnat de France des rallyes le week-end dernier, Hugo Margaillan et Laetitia Marceau qui sont avec nous. Salut les amis. Salut Pierre, salut Isabelle. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les trois du coup d'être à nos côtés. On va reparler justement de ce week-end qui a été complètement dingue. Et Isabelle, bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par toi. C'est à toi que je vais poser la première question. J'aimerais déjà, après quelques jours justement qui viennent de s'écouler, que tu nous donnes eh bien, le premier bilan de ce 74e rallye Mont Blanc-Morzine. Dis-nous tout. Le premier bilan, il est très positif. On a beaucoup de retours, que ce soit au niveau des concurrents ou au niveau des commissaires, au niveau de tous les officiels. On a un très bon bilan. Tout le monde a l'air d'avoir apprécié. C'est vrai que nous, on a travaillé vraiment, vraiment beaucoup pour essayer de faire un timing qui puisse plaire malgré tout à tous. Et au vu du nombre d'engagés, je pense que c'est un rallye qui plaît. Mais voilà, notre bilan est vraiment positif à l'heure actuelle. Et on va reparler justement dans quelques instants de ces fameux timings parce que ça a été un casse-tête, je pense, à organiser. Et j'aimerais, dans quelques instants, on va en reparler, qu'on puisse détailler un petit peu tout ça et souligner véritablement le travail de toute ton équipe qui a fait eh bien, une organisation complètement dingue. Hugo, Laetitia, racontez-nous, même si on va se replonger dans quelques instants, bien sûr, dans le rallye, votre ressenti aussi, quelques jours après ce premier podium en carrière. Vous avez pris la troisième place, on le rappelle, puisque Johan Bonato et Benjamin Boulou se sont imposés. Quentin Giordano et Kevin Parent ont pris la deuxième place, mais à la troisième marche du podium, eh bien, c'est vous qui êtes justement à l'arrivée à la troisième place. Bon, j'imagine pareil que voilà, ça doit être énormément de joie encore quelques jours après. Vous n'êtes peut-être pas encore redescendu de votre nuage, les amis, dites-nous tout. Bon, bah, écoute, on a quand même vite redescendu parce que bon, bah, lundi, il a fallu se remettre au boulot, mais on a quand même bien, bien savouré samedi soir avec tout le monde, encore un peu dimanche, mais voilà, non, vraiment. Très, très content pour nous, c'est comme une victoire hein, de finir troisième sur ce rallye, donc voilà, vraiment, vraiment génial. Écoute, on a passé vraiment un très, très bon moment sur une épreuve vraiment magnifique. Et franchement, Isabelle, bravo à toi, bravo à toute ton équipe, parce que je pense que c'était vraiment compliqué ce que vous avez fait là cette année avec plusieurs rallyes dans le rallye, gérer tous ces timings, toute cette organisation. Franchement, un grand bravo. Merci. Et ben voilà, les félicitations en live, c'est pas beau ça, hein, quand même, quand les pilotes et les organisateurs peuvent se retrouver. Et justement, on va en reparler de cette organisation, comme je le disais, Isabelle, parce que Hugo, comme tu le soulignais il y a quelques instants, en fait, finalement, le week-end dernier, on a vécu plusieurs rallyes dans un rallye, un truc complètement fou, avec les concurrents du VHC notamment, les concurrents de l'Opel e-Rally Cup, justement, qui étaient présents hein, pour la première fois sur une manche du championnat de France des rallyes. Explique-nous, Isabelle, comment vous avez réussi, je dis vous parce que j'englobe bien sûr toute ton équipe, comment vous avez réussi à monter un planning aussi chargé avec bah, des timings différents pour chaque catégorie. Explique-nous tout. C'est un travail de longue haleine. On a passé plus de 3 mois, 4 mois pour essayer de sortir un timing différent, savoir si ça allait passer d'un côté et de l'autre, parce que c'est vrai que quand on fait plusieurs timings, et ben, y a un moment donné où sur Morzine, ça ne rentre plus. On a eu de la chance, c'est que tout est bien, soit bien passé. On craignait un petit peu tout ce qui était CH dans Morzine, mais apparemment, ça s'est pas trop mal passé. Il y a eu des petits couacs que nous, on va améliorer si on reprend sur le même schéma pour 2023. Mais c'est vrai que c'est un gros, gros, gros travail. J'ai une personne qui s'est occupée de ça quasiment depuis le mois de février. Depuis le moment où la Fédé nous a demandé donc de prendre l'Opel, la Coupe Opel, qui est une première en France, ça a été la première fois où on a vu rouler ces Opel. Et c'est vrai qu'un timing pour Opel, un timing pour les VH, un timing pour les modernes, un timing pour la régularité.
Eh ben, c'est pas simple à sortir. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe très solide autour de moi. Et ben, quand on a des gens comme ça, ben, on arrive à sortir quelque chose, je pense, de bien. Ah ben, franchement, on peut le souligner parce que toi, tu parles de quelques petits couacs, mais franchement, nous, on ne les a pas vus, hein, donc on imagine Si, que moi, c'était vraiment pas grand-chose. Alors oui, je pense que tu les as peut-être vus, effectivement, mais ça, c'est l'art de la correction, on va dire. Et puis, bien sûr, on soulignera aussi que bien organiser un timing croisé comme ça implique aussi des autorisations préfectorales un petit peu différentes selon les parcours. Bref, un travail de fou. Raconte-nous juste rapidement combien de bénévoles, combien de commissaires au total qui ont travaillé sur le rallye, Isabelle? Alors, c'est 350 commissaires. J'ai 60, 70, à peu près 70 bénévoles, que ce soit au niveau de tout, hein, toute la logistique autour, et une bonne cinquantaine d'officiels, que ce soit les techniques, la direction de course et autres, hein, tout ce qu'on voit passer comme véhicule, c'est des officiels, et ça fait énormément de monde, à Ouais. peu près 600 personnes sur le terrain. Ouais, ça fait une belle PME, hein. Ça fait une C'est belle clair. petite entreprise. En tout cas, c'est vraiment, encore une fois, tout le monde l'a souligné, c'est vrai, on l'a vu. C'était évidemment une réussite en tout point. D'un point de vue sportif, Hugo, Laetitia, justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avant-rallye, parce que vous me l'aviez confié, hein, avant le rallye, et puis même pendant le week-end. C'était finalement l'un des rallyes que vous connaissiez le mieux, j'ai envie de dire, ce rallye Mont-Blanc-Morzine. Ça vous a aidé justement à préparer ce sixième rendez-vous de la saison? Bah oui, c'est sûr que quand on arrive sur un terrain qu'on connaît, sur un rallye qu'on a déjà fait, on sait plus ou moins où sont les principales infrastructures et du coup pour se repérer, forcément, ça facilite les choses. Surtout que les CH étaient placés globalement toujours au même endroit. Voilà, il y avait toutes des petites subtilités qu'il fallait connaître. Et forcément, quand on arrive sur quelque chose qu'on connaît, on se sent un peu plus rassuré et du coup, ça nous facilite grandement la vie. Eh oui, malgré que c'était votre première participation avec cette C3 Rallye 2, on le rappelle, puisque c'est votre première saison dans la catégorie Rennes. Hugo, ça va, l'adaptation par rapport à la 208, ça a été quand même assez facile, je dirais, entre les kilomètres engrangés depuis le début de la saison et puis la connaissance du rallye. Oui, écoute, franchement, ça a été Mont-Blanc, c'est quand même la quatrième fois que je le faisais. Donc, je connais bien le parcours. J'étais déjà au moins passé une fois partout, hormis dans l'Ulin, qui était vraiment toute nouvelle pour tout le monde. Donc, non, c'était très bien. Ça m'a quand même bien facilité les choses par rapport à un Rouergue que j'avais fait qu'une fois jusqu'à un an. Puis voilà, comme tu l'as dit, on fait quand même beaucoup de kilomètres avec la voiture depuis le début de l'année. J'ai pas compté, mais c'est vraiment énorme. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'on arrive à un niveau où j'arrive sur un premier tour, une nouvelle spéciale, à vraiment exploiter l'auto complètement et à être vraiment à l'aise. Donc derrière, bon, les chronos sont meilleurs et voilà, c'est ce qui compte bien. Eh oui, les chronos, effectivement, et qui vous ont permis justement, on le rappelle, hein, ce podium. On va en reparler dans quelques instants. Isabelle, j'ai une petite question à te poser. Évidemment, quand on voit le podium à l'arrivée de ce rallye, avec quand même trois équipages qui ont le vent dans le dos, je pense qu'on peut le dire, cette année, même si pour Johan Bonato et pour Benjamin Boulou, le début de saison a été un petit peu compliqué, je pense que tu peux être fier aussi d'avoir à l'arrivée de ton rallye comme ça, de tels équipages sur le podium. Ah oui, on peut qu'apprécier. Hein. C'est vraiment. Enfin, moi, j'ai. C'est vrai que quand on est sur au PC, on voit pas forcément tout. J'ai eu l'occasion de pouvoir être au podium et franchement, moi, je tire mon chapeau parce que c'est vraiment des très 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 bons pilotes. On a vraiment des équipages qui sont vraiment au top et ça fait vraiment plaisir. Eh ben Et ouais, c'est clair, voilà. on peut le Et dire. c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir Marc Gaillan, enfin Hugo. Progresser l'année dernière, il était avec la Clio. Cette année, ben, il est au-dessus et c'est très bien. Et puis il est sur le podium, c'est encore mieux. Eh oui, ça progresse effectivement. Et puis on l'a vu hein, depuis le début de la saison, on s'attendait quand même à ce que ce podium arrive. Et il est finalement venu. Donc c'est clair que c'est dans le fil en tout cas de l'avancée de la saison. Isabelle, je suis sûr que tu as allez, une petite question à poser à Hugo et à Laetitia, peut-être justement pour connaître un petit peu leur avis général sur le rallye, pour connaître peut-être des petites subtilités. Vas-y, Ouais, je te laisse leur bah, poser une il y en question. aurait plein à poser des questions, mais j'en Eh posais oui, qu'une. le timing est un peu Le court, je suis timing serré. désolé. Ah, Désolé. eh ben, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense des routes de la Haute-Savoie, enfin du Mont-Blanc. Écoute, moi j'adore clairement tout le championnat, c'est vraiment le profil de route qui me plaît le plus. Ça a toujours bien marché au Mont-Blanc et
Et voilà, c'est vraiment des routes très jolies, très belles, très bien entretenues, à part deux, trois petites portions, mais voilà, ça rajoute un peu de piment au truc. Mais globalement, non, les routes sont très jolies, très sinueuses. Faut être très très bon dans les trajectoires, être très bon dans le pilotage. Beaucoup, ouais. Et oui, c'est des belles. Effectivement, c'est des belles routes, Laetitia. Je pense que tu partages le même avis qu'Hugo, ouais. Bah, il faut dire que la C3 Rally 2, elle va tellement vite que je n'ai pas le temps de voir le Mais pour avoir fait les recos, etc. Non, c'est un magnifique rallye. Les paysages sont magnifiques. La ville de Morzine est vraiment exceptionnelle. Voilà, on s'y sent bien et on est très heureux d'avoir pu faire le Mont Blanc et surtout d'avoir décroché notre premier podium en championnat de France à Morzine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est plus sur le côté touristique là quand même. Hein. Ouais, effectivement, pourtant, bon, c'est vrai, comme le disait Laetitia, c'est allé assez vite. Hein. Je ne sais pas si vous avez trop eu le temps de profiter du paysage. Bon, vous reviendrez au pire. Hein. Vous reviendrez pour un Bon. week-end en amoureux ou je ne sais pas, vous ferez comme vous le sentez, vous en profiterez très certainement pour visiter cette très belle région. C'est clair qu'il y a de quoi faire. Parlons un petit peu de la fin de ce rallye, on va dire, Hugo, Laetitia, avec donc, comme on le disait, ce podium. On a l'impression que ça, vous avez passé un step, hein, clairement, depuis notamment, je dirais, le rallye Aviron-Rouergue-Occitanie. Vous étiez déjà dans le match, hein, pour le podium, avec effectivement des chronos très, très, très serrés par rapport à ceux des autres équipages. Et là, on vous a vu, prendre rapidement la troisième place du général pour quasiment pas la lâcher et aller au bout jusqu'à l'arrivée de ce rallye. Qu'est-ce qui s'est passé psychologiquement? Il y a un step de passé, il y a quelque chose de plus qu'en début de saison? Ouais, je sais pas si c'est vraiment un step. En tout cas, je pense que c'est surtout l'expérience qu'on a pris avec l'auto. On est vraiment bien dedans. Je pense que Citroën aussi, on fait des progrès sur la C3. Depuis le début de saison, voilà, on a quand même fait pas mal de développement et je pense qu'on arrive à un produit qui est vraiment, vraiment performant et facile à emmener. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on arrive à être bien plus performant que le début de saison. Puis derrière, c'est sûr que voilà, on met aussi beaucoup plus d'engagement à essayer d'accrocher la tête. Donc ça y joue. Et forcément, forcément, forcément. Merci pour ces informations, en tout cas, Hugo et Laetitia. Ça va être déjà l'heure de se quitter dans quelques instants. Et ouais, ça va vite, hein, ça va très, très vite. On aurait plein de questions, comme le disait Isabelle, à se poser, c'est sûr. Isabelle, je vais te laisser, bien sûr, un petit temps pour eh bien, remercier, j'imagine, toutes celles et ceux qui t'ont permis aussi d'organiser ce rallye pour tous tes partenaires. Je pense que tu as plein de gens, finalement, à citer. On va essayer, bien sûr, d'en citer le maximum et sans en oublier, si possible. La parole est à toi, je t'écoute. Eh ben, déjà, je tiens à remercier déjà tous les concurrents qui nous ont fait confiance, qui sont venus en masse, hein, parce que 300 voitures d'engagés, c'est énorme. Donc déjà, merci à tous les concurrents. Merci à toutes les communes où le rallye passe, parce que ben, sans eux, on peut rien faire. Les bénévoles, sans qui je ne pourrais rien faire non plus. Et tous nos partenaires qui sont présents tout au long du rallye. La Fédé, cette année, qui nous a bien, bien aidés, qui était derrière nous. Je vais en louper beaucoup parce qu'il y a vraiment énormément, énormément de monde derrière nous. Allez, au pire des cas, si jamais on te reproche d'avoir oublié des gens, j'en prends la responsabilité, c'est à cause du timing. Voilà, bien sûr, Isabelle n'a oublié personne, mais effectivement, c'est vrai que je pense que vu l'ampleur, hein, de cette organisation, il y aurait énormément de gens à citer. Hugo, Laetitia, on va être maintenant eh bien, sur la toute dernière ligne droite, hein, de cette saison 2022 qui a été riche en enseignements pour vous. C'était encore une fois la découverte de la catégorie Rennes. Comment vous allez aborder là justement les prochaines échéances et notamment ce rallye Cœur de France Centre-Val-de-Loire là, qui arrive dans quelques jours? Écoute, on va essayer de continuer sur notre lancée. Hein. Clairement, on sait qu'au Cœur de France, ça sera certainement plus compliqué. On n'a pas forcément la même connaissance du terrain qu'au Mont-Blanc. Mais écoute, voilà, on l'a fait l'année dernière. On avait fait des bons chronos aussi dans la 208. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée. En tout cas, on a tous les éléments réunis pour que ça fasse une belle fin de saison. Et puis voilà, on va continuer dans ce sens-là. Eh bien, on a hâte, en tout cas, de suivre cette bagarre jusqu'à la fin de la saison parce qu'on va vraiment parler de bagarre entre celle pour le titre et puis celle pour effectivement compléter les podiums. Et à l'arrivée, il y aura des gros points et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas, à préciser avant justement la saison 2023. Mais on en reparlera, bien sûr, en temps voulu de vos projets. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été à nos côtés. Puis je vous dis à très, très bientôt pour la suite du championnat de France d'Air Ligue. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci, merci beaucoup. Au revoir tout le monde, merci.
Deuxième plateau de ce sixième rendez-vous dont refait le CFR, consacré, vous le savez, au 74e rallye Mont-Blanc-Morzine. Et on va s'intéresser, bien sûr, eh bien, au Clio Trophy France, hein, qui a été ultra, ultra, ultra disputé le week-end dernier du côté de Morzine. Et puis, en l'occurrence, eh bien, on accueille deux garçons qui ont animé les débats. On va en parler dans quelques instants avec eux, bien sûr. Pour commencer, j'aimerais quand même qu'on salue eh bien, le coordinateur hein, du Clio Trophy France. C'est Joseph Ferrer qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut, Joseph. Salut. Merci beaucoup à toi d'être à nos côtés. On va en reparler de ce Clio Trophy France du côté de Morzine qui a été véritablement au centre des débats. Au centre des débats, pourquoi? Parce qu'il y avait des bagarres pour les différents titres justement. Et un garçon, ça y est, s'est imposé à remporter le Clio Trophy France 2022. Il est à nos côtés, c'est Thomas Chauffret. Salut Thomas. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon, merci à toi également d'être à nos côtés. Je sais que tu as pris quelques vacances, mais tu as accepté voilà, de nous accorder quelques minutes. Ça fait très plaisir. Et puis, un autre garçon aussi a remporté un titre, puisqu'il remporte le titre junior de Clio Trophy France. C'est Tom Pierry, il est à nos côtés. Salut, Tom. Salut, salut. Bon, merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, on va revenir justement sur votre rallye, messieurs. Joseph, je vais commencer par toi parce qu'encore une fois, quand la liste des engagés est sortie hein, de ce rallye Mont-Blanc-Morzine avec les pensionnaires du Clio Trophy France, waouh, quelle surprise de voir à nouveau autant d'engagés. On le rappelle, 51 équipages au départ. C'est un record, c'est du jamais vu. C'est génial pour toi, Joseph. Oui, en effet, c'est pas que pour moi, hein, c'est pour toute l'équipe d'Alpine Racing qui est derrière moi. Et Alpine Racing aussi, c'est le but de proposer aux concurrents un produit, une organisation et tout un ensemble de choses qui les attirent. La réponse est géniale, franchement, on ne peut être que très heureux de ça et très fier aussi parce qu'il y a un gros travail derrière. Mais quand on voit que ça paye, on se trompe pas trop, donc on est content. On va continuer à proposer des choses, essayer de ne pas s'endormir au laurier et essayer encore d'améliorer un peu tout ça, que marche bien, mais bon, j'ai encore quelques idées. Bon, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Alors, je ne sais pas si on verra les idées cette année ou plutôt l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Bon, c'est cool. C'est prometteur. En tout cas, parce que quand on voit déjà le succès de la formule cette année, on se dit que ça ne pourra qu'être encore mieux parce que c'est déjà effectivement au top. Thomas et Tom, je voudrais vous poser une question commune à tous les deux. À l'approche de ce rallye, c'était un peu le rallye de rentrée sur, bien sûr, le Clio Trophy France. Ce rallye pouvait vous titrer, hein, toi, Tom, pour ce qui est du junior, Thomas, pour ce qui est du classement général. Comment vous avez abordé le week-end? Est-ce que l'idée, c'était pour vous d'aller chercher vos titres respectifs ou c'était d'engranger un maximum de points, de faire un petit peu le calcul à l'arrivée? Comment vous l'avez abordé, Thomas? Dis-nous tout. Vraiment comme les autres. Comme j'ai dit un peu tout le week-end, on m'a beaucoup parlé de ce titre, entre guillemets. Mais comme le volant est pour le junior, en l'occurrence Tom, qui le mérite bien, moi, ça ne me changeait pas grand-chose. Tout ce qui m'importait, c'était de marquer des gros points pour le team, pour le championnat team, associé à Steve Juif, surtout que là, Europe n'avait que deux voitures sur les trois possibles à marquer, vu que Arthur Pellamourgue ne pouvait pas être là. Donc, on n'avait pas le droit à l'erreur. On voulait marquer tous les deux des gros points. Et on savait de toute façon que si on marquait, nous concernant, des gros points, on les marquait donc pour le team et pour nous. Donc, ça faisait la même course, en fait. Donc, ça s'est passé comme les autres rallyes. On a visé le mieux possible. Bon, malgré tout, même si effectivement le volant, on va en reparler dans quelques instants, c'est la formule, le volant va plutôt effectivement du côté du joueur. Quand même, c'est un titre important. On ne va pas non plus se le cacher, Thomas. Et c'est quand même une belle récompense. On va en reparler dans quelques instants, bien sûr. Tom, toi, de ton côté, pareil, un petit peu la même question. C'est vrai qu'avec tes très bons résultats du début de saison, ça te permettait dès le Mont-Blanc-Morzine d'être titré. Tu l'as abordé comme Thomas ou tu avais quand même envie de conclure dès ce premier rallye de la rentrée? Écoute, je pense que ouais, moi, j'ai au début du rallye fait peut-être l'erreur d'un petit peu trop y penser. Voilà, du coup, je suis parti, je pense, sur un faux rythme. J'ai encaissé pas mal de temps dans les deux, trois premières spéciales. Et voilà, j'ai rapidement compris qu'il fallait que je me sorte ça de la tête et que j'y pense le moins possible. Parce que voilà, j'avais envie d'arriver aux Cévennes en étant tranquille et sans me poser de questions. Et voilà, du coup, je pense que je suis parti un petit peu trop sur la défensive au début du rallye et un petit peu trop stressé aussi. Voilà, j'ai essayé vraiment de corriger le tir. Et ça a plutôt bien marché. Voilà, je suis parti après en me disant prends-le comme les autres, fais-toi plaisir. Et franchement, quand je me suis mis à penser comme ça, bah, tout de suite, ça a suivi. Et,
Et j'ai passé un bien meilleur rallye et j'ai fait des chronos un peu plus intéressants. Eh oui, c'est sûr, ça ne doit pas être évident de supporter cette pression quand même, parce qu'on doit y penser forcément, et ça a un impact, et tu l'as parfaitement corrigé. Joseph, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de la qualité du plateau. On a parlé de la quantité il y a quelques instants. On a vu les bagarres entre Thomas et Tom. On se rappelle notamment d'Antibes, par exemple, qui avait été complètement dingue. Mais même de façon générale, derrière, il y a quand même un monde assez extraordinaire. Le niveau de compétitivité de ceux qui ont Trophy France cette année est quand même. J'ai envie de dire, je sais pas si c'est le plus haut niveau jamais atteint, mais ça fait partie en tout cas des plus gros niveaux de compétitivité, je pense. On sera d'accord pour le dire. Oui, c'est évident que le niveau il est très très haut. Il faut seulement voir les classements au scratch de la pluralissante des animateurs du trophée. Avec 25 Rally 2 et 12 Alpines et tout ça, Thomas finit 29e au scratch. Là, tu te rends compte que vraiment, vraiment, ça va plus vite chez nous. Après, il y a un autre exemple, c'est clair. De mémoire, je pense que c'était la ES10 du Mont Blanc. Les deux premières finissent ex aequo et les troisième et quatrième finissent ex aequo à 3 dixièmes des deux premiers. Donc, quand tu vois ça, tu te dis que le niveau est très très haut et que ça tire tout le monde de vélo. Je pense que c'est un des atouts de notre trophée. Il y a de la bagarre un peu partout. On regarde normalement devant, mais même dans les top 15 et top 20, il y a de belles bagarres. Et ça fait que tout le monde trouve quelqu'un avec qui se comparer et ça fait tout le monde de Belléo. Donc, oui, je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est du jamais vu, mais franchement, après, je m'amuse les soirs à voir les vidéos et tout. Ils sont tous des malades, les gars. Ça va très, très vite. Ouais, c'est clair, ça va vite et je pense que le spectateur il se régale. Nous on se régale à voir, et effectivement, comme tu dis, hein, Joseph, c'est vrai que malgré la petite Rallye 5, et bah effectivement, au scratch, ça fait quand même de très belles places. Thomas, justement, c'est la question que je voudrais te poser. Depuis le début de la saison, tu as vu ultra dominateur sur ce qui est au Trophy France. On a presque l'impression, je dis bien, on a presque l'impression que c'est facile quand tu es dans la voiture, que tu arrives tout de suite à être en osmose en fait avec cette auto. Raconte-moi un petit peu, c'est quoi ton secret pour aller aussi vite et pour aller chatouiller, comme Joseph le disait, les ténors avec des Alpines ou d'autres grosses autos, par exemple, au classement scratch. Ah, si, un secret, non, non, je pense qu'il n'y en a pas. J'ai toujours été à l'aise et toujours été jusque-là un pilote de traction, on va dire. La Clio Rally 5, c'est un peu comme la Saxo que j'avais avant, comme un peu la Clio R3. Ça me parle et ça me parle tout de suite. Quand je monte dans une Rally 2, il me faut toujours voilà, 20-30 km d'essai pour y arriver. Et comme je dis à chaque fois, je trouve qu'on est moins au bout des autos, ce qui est un peu normal. Mais voilà, la Rally 5, c'est vrai qu'on monte dedans et. Ça va. Oui, ça me semble assez facile, même si c'est vrai que c'est un rythme qui est quand même très élevé. On est vite sur le fil quand même, hein. Il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vu l'an dernier. On est peut-être un peu plus serein cette année parce que l'an dernier, on faisait partie des rares qui découvraient les épreuves. Alors que cette année, à part Antibes, on les a toutes faites. Donc les spéciales changent peu, on va dire. Donc on a des notes qui sont plus validées et on a plus d'expérience avec l'auto. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a un secret, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une auto qui me rend à l'aise tout de suite. Bon, l'expérience peut être un secret, hein, en fait, hein, l'un dans l'autre. Peut C'est sûr jouer, ouais, ça peut qu'on jouer. connaît ton habileté à passer justement de gauche à droite, et évidemment, ça doit aider aussi, j'imagine. Tom, on a vu quand même sur le rallye un sacré client là dans le junior, un certain Steve Juif que l'on salue, hein, le coéquipier en l'occurrence de Thomas Chauffet, qui, pour la petite anecdote, effectivement, a été le meilleur performeur entre guillemets sur le rallye en junior. Grosse bataille en tout cas entre les deux. Ça, t'as pu quand même, je dirais, porter un regard avec un petit peu de hauteur là sur la performance de Steve ce week-end. Ouais, bah, honnêtement, Steve, bon, il a toujours été très rapide au rallye du Mont-Blanc. On le savait. Moi, quand je suis arrivé ici, je savais que ça allait pas être simple face à lui. Et voilà, bah, comme, enfin, c'était, voilà, c'était à prévoir et il a répondu aux attentes. Mais voilà, moi, j'ai toujours dit que ça tirait vers le haut d'avoir des mecs comme ça qui roulent aussi vite, que ce soit Thomas, Steve et tous les autres, hein, d'ailleurs. Voilà, on pourrait se dire, oh, c'est dommage, on n'arrive pas à suivre, etc. Mais moi, je trouve que au contraire, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait une super spéciale. J'arrive à l'arrivée, je vois que je prends un certain nombre de secondes. Ben voilà, tout de suite, tu es obligé de réfléchir, d'essayer de comprendre pourquoi, de comment tu vas faire pour pouvoir inverser la tendance. Et c'est vraiment ça qui fait progresser. Donc, c'est génial. Donc, ouais, bravo, bravo à Steve.
Ouais, on peut vraiment le féliciter. Puis on va féliciter aussi Patrick Magnoux, hein, qui a fait un super rallye également, qui s'offre une très belle position à l'arrivée. Joseph, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de ces deux garçons-là, de Thomas et de Tom. De façon générale, je parle pas forcément que sur le rallye Mont-Blanc-Morzine. Comment tu as pu, je dirais, juger de leur performance depuis le début de la saison? Effectivement, Thomas le disait, c'est vrai que c'est une voiture qui, une fois qu'on a un petit peu de roulage aussi, je pense, est plus simple à prendre en main. Mais malgré ça, voilà, tous les deux, ils ont été ultra performants ce week-end. Enfin, ce week-end, oui, pas que ce week-end, je dirais, depuis le début de la saison. Quel regard tu portes justement sur leur performance? C'est vrai que tous les deux, chacun dans sa catégorie, on va dire, ils ont été déjà les plus consistants. Ils ont pas fait des erreurs, ils ont fait des résultats sur toutes les courses. Surtout Thomas, je pense que sur la totalité des points à acquérir, il en a laissé que deux ou trois. Donc, il a été un cran en dessous des autres, je pense. Tom, je pense qu'il a fait, par rapport à l'année dernière, il a fait un déclic. Mental, je dirais, il a su se focaliser sur son objectif, que c'était de gagner le junior. Des fois, tu sais que tu peux aller plus vite, mais tu vas prendre beaucoup de risques. Donc, je pense qu'il a su maîtriser cette pression. Donc, je dirais que tous les deux ils ont fait une sacrée saison. Hein, ça, il n'y a aucun doute. C'est pour ça qu'ils sont déjà titrés avec une course d'avance. Et bah, j'ai sous la qualité de pilotage de tous les deux, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que moi, il y a un sujet qui me semble curieux, c'est que tous les deux, comme métier, ils font du coaching de conduite et tout ça. Je pense que ça aussi, ça aide beaucoup parce que tu apprends à maîtriser déjà les situations compliquées, tu apprends à approcher les courses en fonction de tes avantages et tes inconvénients. Donc, je pense que à part les pieds, ils ont, comment dire, une grande tête en termes de gestion de course. Je pense que c'est ça qui a fait un peu la différence, à part la vitesse qu'ils ont déjà. Ah bah c'est sûr que c'est une aide, vous confirmez, messieurs? Ça peut faire partie aussi des choses qui vous aident au quotidien. Ouais, je pense qu'on est immergé, pas H24, mais on est pas mal immergé dedans. Donc, c'est sûr que quand on n'est pas à gauche, on est à droite. Quand on n'est pas à droite, on est sur le bord de la route ou de la piste. Donc, ouais, je pense que ça joue. Je sais pas ce qu'en pense Tom, mais il y a forcément un petit plus avec ça, ouais. Ouais, moi je suis d'accord avec Thomas. On a quand même souvent l'habitude de monter dans des voitures, comme il dit, que ce soit à droite ou à gauche. Donc on est tout le temps dans le bain. On apprend à s'adapter à différentes voitures, à différentes conditions, à différentes pistes. Donc, ouais, je pense que c'est un petit plus aussi. Eh ben voilà, on a la réponse. Je demandais tout à l'heure quel était le secret. Eh ben voilà, on a peut-être un bout du secret grâce à vous deux. On va devoir se quitter dans quelques instants, messieurs. Et oui, ça va très très vite. J'aimerais juste qu'on évoque bien sûr le fait qu'on le rappelle, hein, Thomas, et Tom, vous remportez donc vos deux titres respectifs. Hein, Thomas, le Clio Trophy France, le classement général, et Tom, du coup, le classement junior, hein, on le rappelle. Parlons un petit peu de la suite. Alors, il reste une épreuve, hein, dans ce Clio Trophy France, ce sera le critérium des Cévennes à la fin du mois d'octobre. Thomas, quelles opportunités ça pourrait t'offrir ce titre pour la suite? Je sais pas du tout. J'ai eu la chance de faire une journée de développement avec la Rallye 3 pour Alpine. Donc, si je leur ai dit que s'ils avaient besoin de moi, j'étais forcément partant, que j'ai beaucoup aimé. Après, les opportunités, je ne sais pas. Pas forcément. Hein. On va déjà se concentrer nous concernant sur la finale et ensuite sur les Cévennes. Moi, mon but, voilà, c'est de faire une belle finale et de ramener le titre team, comme je disais, à replication à l'issue des Cévennes. Bon, on va suivre évidemment ce parcours vers la finale. Et puis, Joseph, je crois qu'il y a un message subliminal là, peut-être qui est passé. Bon, je dis ça, je dis rien par Thomas. Tom, toi, par contre, en l'occurrence, le programme 2023 va commencer peut-être en tout cas à se dessiner, puisque on le rappelle, hein, ce titre donc de junior justement dans le Clio Trophy France, pardon, je remets les choses dans l'ordre, eh bien t'ouvre la possibilité de rouler avec une belle auto l'année prochaine. Ouais, c'est clair que bon, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser et voilà, je rêve de ça depuis que je suis vraiment tout petit et là voilà, d'être pilote officiel Renault en 2023, c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à réaliser et voilà, je suis vraiment très très content. Mais avant ça, on va quand même se concentrer sur les Cévennes parce qu'on sait que le gagnant du championnat team se verra avoir l'exploitation de la Clio l'année prochaine. Donc voilà, moi si je pouvais continuer
avec mon team BHR 3P Racing, ça serait l'idéal. Donc on va tout faire aux Cévennes pour essayer d'aller une fois plus vite que Thomas, peut-être que voilà, et avec l'équipe aussi, on aimerait vraiment ramener le titre à notre équipe pour pouvoir rouler avec eux l'année prochaine. Eh ben, ça sera une belle bagarre en tout cas entre ton équipe et puis le team Europe Location également qu'on suivra au Cévennes. Ça sera évidemment l'une des grosses bagarres que l'on suivra à l'occasion de ce huitième rendez-vous plutôt de la saison et donc dernier rendez-vous, on le rappelle, pour le Clio Trophy France. Joseph, je te laisse le mot de la fin, bien sûr, pour conclure ce Clio Trophy France. Qui de mieux que toi pour terminer ce plateau? Et encore une fois, je pense qu'on peut féliciter toutes celles et ceux qui ont vu l'arrivée de ce rallye dans le trophée. Oui, bon, pour finaliser, je dirais déjà féliciter Tom et Thomas, animer à tous les pilotes qui se posent des questions pour la saison prochaine de venir nous rejoindre, parler avec les gens qui sont déjà dans notre trophée, qui pourront leur expliquer comment ça se passe, et continuer, nous, de notre côté Alpine Racing, à proposer à nos clients les meilleures choses possibles pour les avoir. Pour la petite histoire, au Mont Blanc, Renault et Alpine, tout modèle confondu, on était la moitié du plateau. Donc, il faut que ça continue comme ça et on va travailler pour ça. Ouais, c'est une très, très belle histoire et félicitations en tout cas à toute ton équipe, à toute l'équipe d'Alpine Racing, Joseph, que tu peux largement féliciter parce que, effectivement, quand on voit le plateau, c'est clair que la formule, elle a marché. Merci en tout cas à tous les trois de nous avoir accordé quelques minutes et puis je vous dis du coup à très, très bientôt du côté du Critérium des Cévennes. À très vite. Plaisir. Merci, bonsoir. On est de retour, les amis, pour la suite et la fin de ce sixième rendez-vous dont on fait le CFR. On va s'intéresser dans quelques instants au trophée Michelin, qui lui aussi a été très, très, très disputé. Et on va, bien sûr, parler de tout ce qui s'est passé. On va reparler, bien évidemment, des points au championnat, notamment à l'issue de ce sixième rendez-vous de la saison. Qui mieux pour en parler, bien sûr, que celui qui a représenté, notamment, il a fait partie de ceux qui ont représenté justement la marque de Clermont-Ferrand le week-end dernier. C'est Ludovic Carrara. Salut Ludovic. Salut. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. On va parler un petit peu technique avec toi. On va rentrer dans le vif du sujet pour celles et ceux qui ont pu suivre le rallye. Et puis, on va bien sûr recevoir à nos côtés ceux qui occupent pour l'instant les deux premières places du trophée Michelin amateur à quelques rendez-vous justement de la fin de ce championnat de France des rallyes. Ça va être très, très, très sympa de suivre cette bagarre. On va commencer par celui qui domine un petit peu. Hein, c'est Ludovic Godard. Salut Ludovic. Salut à tous. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Et puis, bien sûr, celle qui est en lice pour obtenir son deuxième titre de championne de France des rallyes cette saison, c'est bien sûr Sarah Rumeau qui est à nos côtés. Salut Sarah. Allez, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va, nickel. Et toi, comment ça va? Un peu fatigué, mais ça va très bien. Et oui, c'est vrai que le week-end a été bien sûr mouvementé. Il y a un petit peu de route en plus pour rentrer à la maison. Donc forcément, il y a du boulot. Tous les trois, vous allez nous parler justement de ce trophée Michelin. Et on va commencer ensemble, Ludovic Carrara. Il y a deux Ludovic. Hein, donc bien sûr, on va essayer de bien donner la parole avec nous sur ce plateau. Ludovic, on l'a vu ce week-end, clairement, les choix pneumatiques ont fait partie vraiment de l'équation. Ça a été pour certains équipages un véritable casse-tête de savoir quel pneu monter. On va en reparler avec Sarah et donc Ludovic Godard à nos côtés dans quelques instants. J'aimerais que tu nous parles un petit peu des différentes montes pneumatiques qui peuvent exister sur le championnat de France des rallyes. Peut-être que justement nos amis internautes ne savent pas exactement. On a parlé pendant le live de différentes typologies, on va dire, de pneumatiques. Explique-nous un petit peu ce qu'on peut monter en rallye. Alors, on va dire qu'il y a deux types de pneus. On va dire qu'il y a les slicks avec trois crans de gomme. Donc, le 31 qui est un cran hard, le 21 qui est un médium et le 11 qui est un cran soft. Et on a d'autre part les pneus pluie, donc les MW1. Et c'est vrai que sur le Mont Blanc, avec ces averses qu'il y avait la nuit, ces beaux orages qu'il y avait la nuit, les routes le matin étaient humides, voire mouillées et mettaient des fois du temps à sécher. Ça s'est avéré comme ça le samedi où ça a mis vraiment un peu de temps à sécher. Et c'est vrai que c'était pas facile pour les concurrents du Michelin parce que déjà ils partaient pas dans les mêmes conditions que les premiers, qui avaient forcément sali la route, qui l'avaient un peu polluée. Et le samedi c'est pareil, ils partaient reclassés, donc tous ceux du trophée Michelin partaient dans leur position au classement scratch et potentiellement avaient des conditions de route différentes. Donc ça explique un peu aussi que tous n'ont pas fait les mêmes choix pneumatiques
Et parce que au fur et à mesure des passages, les spéciales s'asséchaient, et au fur et à mesure de la journée, donc voilà, il y a eu pas mal de différences dans les choix des pneumatiques. Et oui, on l'a vu, hein, c'est vrai que autant le vendredi, on va dire, l'ordre de départ est à peu près, je dirais, le même entre guillemets, hein, c'est-à-dire que les concurrents suivent, mais bien sûr, dès le samedi, ça bouge. Alors justement, Ludovic et Sarah, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez abordé, bah, d'une part, la journée du vendredi et puis la journée du samedi sur ce point-là. On rappelle, hein, que les deux journées, elles ont commencé, en tout cas sur une piste détrempée, hein, suite aux pluies nocturnes. Et donc, pas évident, effectivement, de choisir les bons pneumatiques. Sarah, dis-nous tout, comment ça s'est passé, toi, de ton côté? Ben pour le coup, moi, de mon côté, ça s'est vraiment bien passé au niveau des pneumatiques. Vraiment, là, pour commencer le rallye, en fait, on est parti avec 4-11. Finalement, c'était bien sur les premiers kilomètres. Par contre, à la fin de la spéciale, j'ai eu les pneus qui chauffaient. Donc, mes freinages et tout étaient un peu moins perfos. Et ensuite, du coup, on est passé directement avec 4-21. Et en fait, je me sentais vraiment à l'aise dans la voiture. C'était vraiment bien. D'ailleurs, nos résultats et nos temps l'ont démontré. Par contre, du coup, ça a été un peu plus compliqué, justement, le samedi. On a fait un peu la même stratégie, sauf que vu qu'on partait sur une boucle de quatre spéciales, ben, en fait, sur les deux premières spéciales, ben, entre guillemets, avec le 11, j'avais l'impression d'arriver un petit peu plus vite à la limite de la voiture. Mais finalement, le temps, il n'était pas du tout représentatif. En plus de ça, sur la voiture, on avait justement assoupli et peut-être un petit peu trop. Moi, je n'avais pas du tout testé, on va dire, la configuration de cette voiture avec ces réglages-là. C'est dommage parce que du coup, en fait, je l'ai découvert. Et en fait, les temps, justement, sur la boucle, là, pour être, comment dire, assez représentatif en termes de chrono, je crois qu'on a perdu minimum 15 secondes. Et en fait, du coup, on était parti avec deux roues de secours en 21. Et la dernière spéciale, on a dit, ben, on va passer les 21 à l'avant et rien à voir. Franchement, juste en changeant les pneus, c'est ça moi qui m'a un peu fasciné par un moment que d'expérience. Sur ce rallye-là, j'ai vu la différence entre un pneu 11 et un 21. Et vraiment le jour et la nuit. Donc en fait, c'est pas bien grave. Je veux dire, si on a perdu du temps, en tout cas, on a pris énormément d'expérience. Bon, ça, c'est l'essentiel. Et puis, du coup, c'est la preuve, effectivement, que ces pneumatiques, ils ont un véritable impact. Donc, c'est que ça doit être quand même pas trop mal, ce qu'ils ont fait, nos amis là de chez Michelin. Je pense qu'ils ont proposé de très, très beaux composés. Ludo, parle-moi un petit peu, toi, de ton côté. Comme Sarah, j'imagine que ça n'a pas dû être évident, justement, de choisir les bons pneus, aussi bien par les ordres de départ, etc., etc., que par l'état séchant, on va dire, de la route. Raconte-nous, comment tu as abordé ce point? Alors, la première journée, moi, je suis parti, déjà, je partais un peu plus loin, j'ai le numéro 116, hein, donc voilà, 116 minutes après Quentin, Giordano. Donc, forcément, la route, on n'avait pas trouvé la même route que eux ont ouais, trouvé. Quand je rentre dans 5 minutes. Et au final, ben, j'ai fait un mauvais choix de pneus. Je suis parti, ben, vous voyez bien, Sarah, elle part avec des 11, alors qu'elle part 80 voitures devant moi, ou 60, je ne sais plus. Et moi, je pars avec des MW1 et cinquième virage, je tape une pierre et je casse la jante. Donc, je fais la première spéciale avec la jante tracée. Donc, ouais, c'est pas forcément évident. Mais après, j'ai essayé de… En fait, on a galéré tout le vendredi. J'étais en retard au niveau de mes choix de pneus. Après, je suis parti en 11, alors qu'il fallait partir en 21. Enfin, bref. Du coup, le samedi, j'ai carrément testé. Enfin, j'ai tenté. De toute façon, j'étais en retard, donc il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, du coup, je suis parti en 21-11 dès le samedi matin, avec deux 21 dans le coffre. Et donc, au bout de la… Après être rayant, donc après la troisième spéciale du matin, j'ai mis 4-21. Et là, au bio, c'était ben, une autre voiture, quoi. Enfin, franchement, c'est… Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai que autant, comme tu le dis, hein, ça a démarré avec une piste mouillée de chez mouillée. Mais c'est vrai que toi, quand tu es passé après derrière, c'est vrai que les MW1 n'étaient peut-être pas le bon choix. On rappelle, on précise une information quand même qui est importante pour nos amis internautes. C'est vrai que la particularité du rallye Mont Blanc-Morzine, c'est qu'à l'issue de la première spéciale, on a déjà une assistance. Hein, donc ça permet effectivement de changer peut-être plus facilement de pneumatique et de se rattraper là-dessus. Ludovic Carrara, cette fois, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'échange que tu peux avoir avec les concurrents dans ces cas de figure-là. Est-ce que là, en l'occurrence, tu as été peut-être plus sollicité que d'habitude par tes pilotes pour savoir quel pneu monter? Ah oui, tu as raison. Sur un rallye du Mont-Blanc où les conditions sont changeantes comme ça, on est un peu plus sollicité.
La difficulté au Mont Blanc, c'est qu'en plus, il y a plusieurs parcs d'assistance. Donc, je sais que Ludo était sur le deuxième parc d'assistance et que c'était pas facile d'aller le voir souvent. Donc, voilà, après, on me contacte aussi sur le téléphone, etc. Et j'essaye de répondre à tout le monde en temps voulu parce que bon, ils n'ont pas un temps indéfini d'assistance. Mais c'est vrai que c'est pas facile non plus de s'adapter à tout le monde. Comme on disait, quand Ludo disait qu'il partait 116e sur la route le vendredi, les infos que j'ai pu avoir des premiers, la route a pu évoluer énormément et on n'a pas forcément fait les bons conseils en pneumatique ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué sur le Mont Blanc avec des conditions changeantes de donner des conseils. Les bons conseils à tout le monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. On peut le comprendre. C'est vrai que c'est pas évident non plus, aussi bien côté concurrent que de votre côté, parce que bah, vous ne pouvez pas avoir malheureusement l'information la plus fiable, l'information la plus parfaite pour tout le monde. C'est une certitude. Ludovic Godard, cette fois, c'est vrai que comme tu le disais, ton vendredi, il a été un petit peu compliqué. Et c'est effectivement ce dont je voulais te parler parce que tu as peut-être accumulé un peu plus de retard que d'habitude. Globalement, je pense qu'on peut le dire, tu as fait quand même une belle journée samedi. Comment tu juges finalement ta performance globale sur ce rallye? Bah, ma performance globale, le résultat est bon. Bah, après, ma performance en elle-même, je ne trouve pas sensationnelle par rapport à, par exemple, Antibes ou même le Touquet. Je trouvais qu'au Touquet, j'avais bien roulé. Après, c'est vrai que comme le Vosgien, je n'ai toujours pas compris pourquoi j'étais un peu en retrait. J'ai l'impression d'attaquer à outrance et en fait, pas du tout. Bah, le rouleur, c'était court, donc voilà, je ne veux pas trop parler de ça. Mais non, ouais, le Mont Blanc, pourtant j'adore ce rallye et tout, mais j'ai jamais autant galéré là-bas. C'est vrai que c'est le vendredi, je pense, qui nous a mis dedans, mais après, même le samedi, j'arrivais pas à faire des temps vraiment. J'ai pas fait, par exemple, tous les temps du Michelin, du trophée, quoi, tu vois. Donc, bon, après, Michel, il roulait super bien, pas de Sarah aussi, enfin, le petit Capelli aussi, mais. Mais ouais, je sais pas, j'ai du mal à expliquer pourquoi j'étais pas pas performant, aussi bien dans la voiture que j'étais d'habitude. Ok. Ouais, alors c'est vrai que tu fais bien de le signaler aussi. C'est vrai qu'il y avait un très très beau plateau, hein, notamment tu parles de Michel Giraldo, notamment avec la magnifique Clio Super 1600 là, qui a bien animé les débats. On rappelle quand même Ludovic, hein, parce que pour les internautes qui ne connaissent pas, qui écoutent hein, l'émission, tu prends la deuxième place quand même de ce trophée de Michelin sur cette épreuve. Donc c'est quand même plutôt un beau résultat. Je tenais à le souligner. Sarah, apparemment c'était ta deuxième participation hein, sur ce Rallye Mont Blanc Morzine. Est-ce que l'expérience accumulée l'an passé avec la 208 Rally 4, voiture qui est quand même assez similaire, on le rappelle, à ta Corsa que tu pilotes cette année, est-ce que cette expérience-là de l'année dernière sur des spéciales quand même assez similaires, ça t'a aidé, j'imagine, à rentrer rapidement dedans? Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Franchement, le fait de faire une fois le rallye, déjà, quand on revient dans le même environnement, on a des points de repère, on se sent vraiment bien mieux. En fait, oui, ça m'a vraiment aidé. Après, j'étais contente parce qu'on a passé, on passe des petits caps petit à petit. Ça se remarque pas vraiment. C'est pas un gros pic de perfo, mais ce que je veux dire, c'est qu'on petit à petit, on grappille quelques secondes par-ci par-là. Je suis quand même bien contente de notre entame de rallye parce que, voilà, c'était quand même compliqué de commencer sur un revêtement qui était très glissant malgré tout. Voilà, il fallait se mettre en confiance aussi pour la journée. Donc, on a su le faire sans prendre trop de risques. Et après, justement, on a su aussi, justement, toucher un petit peu, je dirais, pas les limites de la voiture, parce que je pense que j'en suis encore loin. Mais à des endroits, je pense que notre vitesse, justement, de passage est relativement bien. Maintenant, le petit défaut enfin, le petit regret, parce que j'ai toujours un petit regret dans The Rally. En fait, j'espère qu'un jour, j'en aurai plus un. Hein. C'est l'objectif. Il n'y a pas de raison. Non. Petit aparté. En fait, c'est voilà, comme je disais, on a perdu en fait une quinzaine de secondes le samedi matin. Et ça, en fait, c'est mon manque d'expérience. Donc, t'as mieux que ça m'arrive parce que du coup, je sais sur quoi travailler. Maintenant, voilà, non, j'ai pas le droit de perdre 15 secondes sur une boucle comme ça. Enfin, voilà, il va vraiment falloir qu'on travaille. Moi, je suis contente aussi de savoir que. On se rapproche petit à petit des meilleurs, donc c'est motivant.
Et puis aussi, le petit regret, c'est justement d'avoir perdu la troisième place justement du podium Michelin sur ce rallye. Parce qu'en fait, quand on regarde, je crois que je suis à 10 secondes du troisième. Et comme je vous dis, ben voilà, j'ai perdu 15 secondes. C'est ma faute, dans tous les cas. Maintenant, ça me donne vraiment envie de travailler pour que le prochain rallye, justement, je ne les perde pas, mais je les ai en avance, quoi. Bon, ben, j'espère qu'en tout cas que sur une prochaine émission, on vous aura plus satisfait hein, quand même, Ludo et Sarah, parce que vous avez quand même malgré tout réalisé de très très belles performances. Vous pouvez le garder en tête. Ludovic Carrara, maintenant qu'on est entre nous, dis-nous tout un petit peu. Tu as analysé, j'imagine, les utilisations des pneumatiques aussi bien de Ludovic que de Sarah. Qui, selon toi, les exploite le mieux, qui les dégrade le moins, est-ce que t'as ces informations peut-être à nous communiquer? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que bon, déjà, ils ont deux voitures différentes entre une Rally 4 et une F2014. Je pense que tous les deux, ce sont des pilotes qui sont assez propres et qui exploitent le potentiel du pneumatique de façon optimale. J'ai pas forcément de différence ou de choses qui m'ont choqué, on va dire. Je pense qu'ils exploitent vraiment bien le potentiel du pneumatique et qu'ils savent les gérer quand il y a besoin. Bah, surtout, comme disait Sarah, quand elle était en R11 et qu'ils ont un peu surchauffé sur certaines spéciales quand les conditions s'asséchaient, je pense qu'elle a su adapter son rythme pour pas les surchauffer plus et perdre trop de temps. Ok. Bon, ben ça va. Il est plutôt satisfait en tout cas de vos performances, là, visiblement, Ludovic. Et il a pas mis de préférence ou quoi que ce soit. Bon, on va faire à suivre, effectivement, avec deux voitures complètement différentes aussi. On imagine que l'exploitation de ces pneumatiques, forcément, n'est pas du tout la même. On va être dans quelques instants obligé de se quitter déjà, hein, les amis, puisque le timing est un petit peu court. Mais j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de vos positions au championnat, à tous les deux, Sarah et Ludovic, sur ce trophée Michelin amateur. Puisqu'on le rappelle, hein, pour l'instant, c'est toi, Ludovic, qui justement occupe la première place de ce trophée Michelin amateur. Tu en as pris la tête avec 86 points. Et Sarah, toi, tu es juste derrière avec 85 points. Donc là, ça va être ultra, ultra, ultra serré, puisque devant, on a bien sûr les pensionnaires du trophée Michelin Premium. Bon, comment vous allez aborder cette fin de saison là? Vas-y, Sarah. Non, je dirais honneur au gagnant. Bah attends, c'est encore pensé. Pas au gagnant, mais au leader. De ce rallye du moins. Voilà. Non, bah après, bon, moi je suis persuadé que ça va être serré jusqu'à la fin. J'aurais pu avoir une place un peu plus confortable si j'avais pas fait de belles bêtises qui me font marquer 0 point à chaque fois. Mais bon, ça fait partie du rallye, ça fait partie de mon apprentissage aussi, parce qu'il y avait que le Cœur de France et le Mont Blanc que j'avais fait en championnat de France avant. Donc voilà. Après, non, moi, je vais rien. Bah, de toute façon, dans tous les cas, je vais rien à me cacher, je vais rien lâcher jusqu'au bout. Sarah, pareil, je pense. Et puis, au final, que ce soit l'un ou l'autre, on aura mérité les deux de gagner ce championnat-là, même si ce n'est pas fini. Et puis, voilà. Après, moi, je vais faire comme d'habitude. Je ne vais pas me mettre plus d'objectifs que ça. Déjà, avoir la voiture qui est au bout, déjà, à chaque fois, parce que je la bricole dans mon garage juste derrière la porte grise là. Et puis voilà, donc non, je vais tout faire pour être au bout, pour faire du meilleur qu'on peut avec ma petite équipe. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Ça promet. Et toi, Sarah, ça va être quoi l'approche là, jusqu'à cette fin de saison? Moi, c'est de travailler encore plus, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on commence le rallye, justement, deux ans avant, on se rend compte que malgré qu'on travaille dans le domaine de l'automobile, voilà, moi je suis monitrice de pilotage, tout ça, mais finalement quand on est en compétition et en course de rallye, eh bien en fait on n'appuie pas assez sur des petits détails qui nous font gagner vraiment beaucoup de temps. Et là j'en ai pris vraiment conscience. Il y a plein de spéciales, je dirais. Il y a des secondes à gagner, on va dire, facilement pour le coup. Sans se mettre en zone rouge. Aujourd'hui, ce qui nous a sauvés, c'est d'être à l'arrivée de chaque rallye. Ce qui nous a mis un peu plus, je dirais, en défaut, c'est de ne pas avoir fait le trophée Michelin sur la manche du Touquet, parce que voilà, c'était opération
opération blanche du coup. Mais voilà, en fait, moi j'adore la compétition pour le coup. Moi, ça me fascine depuis que je suis toute petite. Voilà, j'ai fait du hand comme vous le savez. Et en fait, c'est ça qui est bon, c'est d'arriver dans une finale comme ça et de se dire bon, qui c'est qui va gagner. Allez, on lâche rien parce que vraiment, jusqu'à la dernière seconde, ça peut se jouer. Donc c'est super cool. Franchement, je suis vraiment contente du coup de vivre ça, d'avoir la chance de vivre ça. Parce que malgré le résultat, on va tout faire vraiment pour le remporter, comme Ludovic lui aussi a envie de le remporter. Peu importe, en fait, dans tous les cas, c'est super ce qui nous arrive, quoi. Bah, c'est clair. Et puis, franchement, quoi qu'il advienne, vous n'aurez rien à vous reprocher parce que vous aurez été quand même très, très performant. Il y a eu peut-être quelques petits couacs, mais ça fait partie du sport automobile et c'est comme ça. Et en tout cas, vous avez su rebondir. Ludovic Carrara, on rappelle justement avant de se quitter, on en profite, les dotations de ce trophée Michelin et notamment pour nos pilotes amateurs qui sont quand même très, 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 très sympas. Alors oui, la dotation finale à la fin de l'année pour le vainqueur du trophée Michelin amateur, c'est un rallye en championnat de France au volant d'une Rallye 2, donc voilà, payé par Michelin, en 2023. Donc c'est sûr que je pense que c'est une dotation finale qui est attractive pour des pilotes amateurs et qui vraiment va les motiver pour se battre jusqu'au bout. Bah, je pense. Qu'est-ce que vous en dites, Ludo, Sarah? Ça doit cogiter un petit peu dans le coin de la tête, non? Bien sûr, après, outre la prime, c'est vrai que ça nous fait quand même découvrir des belles régions. Il y en a plein qui me demandent c'est quel rallye ton préféré et tout, mais en fait, ils ont tous une particularité vraiment différente. Tous les rallyes sont beaux, bon, il n'y en a pas que je préfère ou que je préfère pas. Et à la fin, même outre la prime finale, à chaque rallye, quand on fait un podium ou quelque chose, moi, c'est limite ma paye qui arrive sur mon compte, quoi. Donc, clairement, ça fait du bien quand même. Enfin, voilà. Ouais, c'est sûr. On peut aussi souligner effectivement le soutien de Michelin hein, d'un point de vue financier, justement, pour les concurrents qui réalisent de très, très belles performances. Sarah, bon, on connaît un petit peu ton point de vue hein, sur la 4 roues motrices. Je crois que ça fait partie de tes projets, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Bah, c'est sûr. Franchement, le cadeau, il est énorme. Moi, j'envisage vraiment de passer le step en 4 roues. Là, me dire que peut-être cette année, justement, j'aurai la chance justement d'y monter à l'intérieur, c'est juste magnifique ce cadeau. Enfin, moi, en commençant le trophée Michelin, finalement, je pensais pas avoir une dotation aussi exceptionnelle. Justement, je l'ai su un peu plus tard. Et je les remercie encore parce que finalement, là, quand on voit qu'on fait un bon résultat et en plus qu'on a une dotation par rapport à la première féminine, franchement, merci quoi, parce que des pneus de ce genre de voiture là, voilà, c'est important d'en avoir. donc financièrement je parle, donc vraiment merci et j'ai hâte de m'asseoir dans le baquet. Non, je rigole. Oula, là le message est passé, ça. Le message est non, passé. Vraiment, je suis pas du style. C'était juste une petite boutade. De toute manière, c'est la compétition, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais voilà, c'était vraiment une petite boutade. Bien sûr. Et on rebondit aussi là-dessus. C'est vrai qu'effectivement, Michelin proposait, hein, Ludovic Carrara, cette fois, dans le cadre de ce rallye Mont Blanc-Morzine, eh bien, cette fameuse dotation exceptionnelle. Hein, c'est comme ça que ça avait été nommé. Oui, c'est bien ça, sur une dotation exceptionnelle pour les équipages féminins. Avec des pneus à gagner en fonction du classement scratch. Et donc, c'est Sarah qui est arrivée en tête. Et donc, au global, ça lui a permis de doubler sa dotation en termes de pneumatiques entre son classement première féminine de la dotation exceptionnelle et quatrième au trophée Michelin amateur. Donc voilà, ouais. Je pense que oui, ça fait un beau cadeau. Bah, c'est clair, ça fait un beau cadeau et on peut déjà vous féliciter en tout cas, ça c'est sûr, et puis remercier à nouveau Michelin, partenaire du championnat de France des rallyes, hein, bien sûr, on le rappelle, qui a en plus de ça profité du rallye du Mont-Blanc-Morzine avec l'intermédiaire justement de Julien Vial et bien pour annoncer la poursuite de ce trophée. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Les amis, ça y est, je suis complètement dans le noir. Alors pourquoi, je ne sais pas. Ça fait partie, c'est les aléas du direct, mais c'est que c'est l'heure de se quitter. En tout cas, je vous remercie d'avoir été à nos côtés tous les trois. Je remercie bien sûr toutes celles et ceux qui étaient derrière leur écran pour regarder cette émission. Le prochain rendez-vous, bien sûr, ça sera à l'issue du rallye Cœur de France Centre Val de Loire. On se donnera rendez-vous le jeudi 6 octobre à 19h. Toujours pareil sur la page Facebook du championnat de France des rallyes. Sarah, les deux Ludovic, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très, très, très bientôt. Salut. Et bonne soirée à tous. Ouais. Ciao, salut. Ciao.
Ciao, ciao.